Bonjour à tous. Donc on se retrouve pour la suite de notre boutique PrestaShop. Aujourd'hui, on va s'attaquer en fait à la partie du haut, donc toute cette zone-là. Et ça commence en fait par l'édition de la partie numéro de téléphone. Donc on va aller dans le back-office, la partie module. Et on va traiter un module qui s'appelle bloc contact. Celui-ci. Et là, je vais donc rentrer le numéro de téléphone. C'est très important de spécifier un numéro de téléphone sur une boutique en ligne. Si vous n'avez pas de ligne fixe ou si vous avez vous voulez pas donner votre numéro, à la limite, prenez un autre numéro, un numéro supplémentaire que pour ça. C'est très important pour les clients d'avoir contact. Contact en fait avec une personne physique. Aujourd'hui sur internet, les acheteurs aiment avoir un accès facile. Donc ici, appelez-nous, voilà. Peut-être même on peut faire mieux en mettant, je vais mettre le préfixe pour des personnes qui appelleraient justement à l'étranger. Comme ça, c'est vraiment universel. Je pense que c'est bien de le mettre, c'est très important parce que ça va vraiment rassurer le client. Ensuite, ici sur la droite, on a le bloc en fait des langues. Et bon, ici on va s'attaquer en fait uniquement à la partie français, donc on va faire une langue, parce qu'on va essayer de faire les choses bien. Ce qu'il faut remarquer, c'est qu'il y a quelque chose d'assez subtil. Quand vous avez plusieurs langues, regardez par exemple ici en haut, vous avez le préfixe slash fr. Ce qui est valable aussi dans les liens, si vous regardez en bas à gauche, maintenant on voit s'écrit localhost slash prestashop slash fr slash 8 rob. Donc on voit bien qu'on est sur la langue française. Si vous désactivez toutes les langues et vous ne laissez que la langue française, vous n'aurez plus le préfixe slash fr. Ce qui veut dire que si vous activez ensuite, par exemple, d'autres langues par la suite, bah vous allez avoir des problèmes au niveau du référencement parce que vous allez avoir vos URL sans le fr qui vont pointer vers un lien mort. Parce que les URL sans le fr vont devenir slash fr une fois que vous activerez plusieurs langues. Donc, ce que je conseille, c'est pour l'instant, si vous n'utilisez pas les langues, on va en fait on va aller dans les modules et services à nouveau et on va désactiver le sélecteur de langues. Ça veut dire que les langues restent actives, mais le sélecteur, donc j'ai recherché langue, hein, donc dans modules et services, il propose bloc sélecteur de langue, je vais le désactiver. Ça va me permettre de conserver les slash fr, slash de ou slash autre chose et éviter de nuire au référencement le jour où j'ajoute plusieurs langues. Donc là, je vais recharger mon bloc. Enfin, je recharge ma page, donc j'ai plus mon bloc. Et j'ai toujours mes slash fr dans mes URL. Contactez-nous, connexion. Ça, on laisse, parce qu'effectivement, c'est des éléments indispensables. Donc, comme ça, j'ai vraiment un header propre avec les informations juste nécessaires qui sont importantes. Ensuite, on passe en fait à la partie logo. Donc, déjà, comment on fait, où est-ce qu'on peut. Déjà, il faut que vous ayez un logo. Hein. On va aller chercher un logo. Alors, sur graphique. River.net, vous pouvez en fait trouver des logos, enfin acheter des logos. Là, je vous propose une méthode simple. Donc, ça veut dire que bien sûr vous pouvez faire le vôtre, hein, mais dans les logos par exemple, vous avez toutes sortes de logos que vous pouvez acheter à un coût, on va dire, raisonnable. C'est-à-dire, vous ne serez pas forcément unique avec ce logo, d'autres pourraient avoir le même, mais ça vous permet de démarrer à un moindre coût avec un logo. Dans notre exemple,
j'ai. J'ai créé un logo vraiment tout simple. Donc comme c'est un magasin de chaussures, j'ai créé donc le logo Super Shoes avec une baseline qui est donner du style à vos pieds. Vous aurez ces fichiers en fait directement dans l'archive qui va être mis en pièce jointe. Donc ce que vous constatez, c'est que j'étais vraiment simple, j'ai essayé de garder dans les tons noirs. Et en plus je me suis appuyé sur la couleur bleue. Comme le thème utilise beaucoup des boutons bleus, comme ça sera assorti. Donc j'essaie de me baser surtout par rapport à ce qui existe déjà pour éviter de trop sortir du cadre avec quelque chose de trop flashy. Donc c'est vraiment important d'essayer d'aller chercher un logo, d'acheter un logo ici ou bien de créer le vôtre en essayant de faire quelque chose de relativement simple. Donc dans cette archive, là, on va voir image, taille de l'image. Donc, c'est un logo qui fait 350 par 99. J'ai pris directement la taille du logo qui était fourni par défaut. Maintenant, on va modifier justement le logo de notre boutique. Donc, on va dans préférences, thème. Et là, en fait, vous pouvez sélectionner votre logo. Donc ici, je vais prendre le logo que j'ai créé. Donc, je sélectionne mon logo et j'enregistre. Le logo, normalement, est transmis ensuite automatiquement pour les autres documents. Je recharge ma page. Et voilà, j'ai mon logo qui est en place. Donc ça, je vous donnerai le fichier. Si jamais vous pouvez l'utiliser hein, tel quel, il faudra juste adapter un peu le texte hein, et puis ajouter un petit élément. Pas obligé de faire un effet graphique très compliqué. Il faut juste qu'on puisse vous reconnaître. Il faudra juste trouver une petite icône ou quelque chose de sympathique à mettre en place. Donc pour le logo, là, ça c'est bon. Maintenant, si vous regardez en haut à gauche, on a le favicon. Et là, on a toujours la tête de Preston, la mascotte de PrestaShop. Ça serait bien qu'on ait un rappel du logo. Alors, on va prendre les trois petits traits bleus comme rappel. À nouveau, pour ça, je crée un autre fichier. Celui-ci, il fait 64 sur 64. Je vais aussi vous le transmettre. Donc, c'est une miniature du logo. Et qui va en fait remplacer le logo Preston, la mascotte Preston. Vous pouvez aussi, on va aller voir, ça s'appelle Favicon. Donc sur le site favicon.cc, vous pouvez aussi dessiner en fait votre favicon. Vous voyez par exemple ici, ça donnerait ça. Juste un petit exemple. Donc là par exemple, vous avez une favicon que vous pourriez télécharger et ensuite uploader sur PrestaShop. Si vous le faites avec Photoshop et que vous sauvez en JPEG, je vous conseille ensuite d'aller sur Dynamic Drive. Vous cherchez Dynamic Drive favicon, il va vous conduire sur ce lien. Et il vous suffit en fait de sélectionner votre image, donc le favicon, et puis ensuite de faire créer une icône. Voilà, et après vous pouvez le télécharger pour l'intégrer à PrestaShop. Donc, si je reviens dans PrestaShop maintenant, et puis que je vais justement, je suis toujours dans la partie thème, et puis je vais dans icône, là je vais faire ajouter un fichier, et je vais prendre le point .ico. Ça veut dire que c'est celui que le site Dynamic Drive aura généré à partir de ce fichier-là, de partie du JPEG. Je prends le Favico, j'enregistre, je vérifie si ça a pris, là en tout cas c'est bon.
voit que le favicon s'est actualisé. Si jamais il ne s'actualiserait pas, il faut vider le cache du navigateur. Donc, faudra aller dans les options du navigateur pour le vider, parce que des fois il garde l'ancienne mascotte. Puisque je suis là, je vais juste prendre le favicon ici aussi pour le magasin. Comme ça, on aura quelque chose qui est correct. Voilà, donc là j'ai bien mon favicon et qui est assorti à mon logo. Et en dessous de mon logo, une baseline, donc un slogan qui lui est associé. Maintenant, on va s'attaquer à la partie recherche. Donc on va ajuster les critères de recherche. On va aller dans préférences, recherche. Là, on a deux alias qui servent à rien. Je vais juste supprimer ces deux éléments, comme ça on est propre. Voilà. Et ici, on nous pose plusieurs questions. Donc la recherche Ajax, donc est-ce qu'on veut que les critères soient proposés automatiquement? Donc enfin, est-ce qu'on veut que les mots-clés, les produits soient proposés automatiquement dans la recherche? Donc quand on fait ça. Là, il se passe rien. Ah oui, il se passe quelque chose. Donc, il nous propose en fait un résultat automatiquement dans la liste déroulante. Si vous désactivez cette option, vous n'avez plus cette possibilité. Donc, je reprends. Donc, vous pouvez aussi activer justement la recherche instantanée. Donc, il me semble que normalement, ça doit faire la même chose, mais bon, on va quand même aussi activer la recherche instantanée dans cette configuration. On va sauver. Et ce qui est très important en fait ici dans la recherche, c'est vous avez en fait vous pouvez définir une tâche planifiée qui va reconstruire l'index de votre recherche. C'est très important de mettre sur votre serveur, donc dans les tâches planifiées, il faudrait mettre ce lien-là qui soit exécuté tous les jours. Ça veut dire que ça va permettre que tous vos produits soient présents dans l'index de recherche. Ça évite que quand quelqu'un recherche un produit, il sorte aucun produit trouvé. Ici, on a 7 sur 7, donc on n'a pas de problème. Mais imaginons que vous auriez 7 sur 100. Ça veut dire que 93 produits ne sortiraient pas. Il est très important de mettre cette tâche planifiée chez votre hébergeur. Si vous ne savez pas comment le faire, demandez à votre hébergeur comment il faut faire pour créer une tâche planifiée. Sur une partie des hébergeurs, c'est assez simple. Vous copiez l'URL, vous dites il s'exécute à minuit par exemple, et puis c'est tout. Donc ça c'est important de faire et à mettre en place, ou à ne pas oublier de mettre en place par la suite. Donc si vous êtes sur un serveur de test, pensez à noter ça quelque part. Ensuite, on passe à dernier élément qu'on va voir aujourd'hui, c'est le bloc du panier, ici à droite. Donc là, on va retourner aussi dans les modules. Je recherche panier et je clique sur configurer. Alors là, vous avez différentes options. Nous, là, c'est vraiment partagé, ça dépendra de qu'est-ce que vous voulez mettre à l'intérieur. Vous avez option panier Ajax. Ça veut dire que quand vous êtes sur un produit, vous faites ajouter au panier. Voilà, vous avez cet effet avec il y a un produit dans le panier ou les continuer les achats commandés. Moi, je vais désactiver cette option parce que j'aimerais que le client comprenne vraiment bien ce qui se passe et qu'on le redirige à chaque fois dans le panier. Et activer le cross-selling, on voit, c'est justement, on va avoir des suggestions de produits quand on est dans le panier. On va mettre non parce qu'on va essayer de surcharger au moins possible l'interface pour éviter d'inonder le client de toutes sortes d'offres. Il faut qu'il regarde une seule chose à la fois. Donc je désactive ces deux options. Le fait d'avoir désactivé ces deux options, qu'est-ce que ça fait? À présent, si on va sur un produit et que je fais ajouter au panier par exemple, directement il m'a mis en fait dans le récapitulatif de la commande avec mon article. C'est vraiment partagé. C'est vrai que la tendance aujourd'hui, c'est de faire de l'Ajax, etc., parce que c'est un effet sympa.
Mais je trouve que rediriger dans le panier, dans la commande, et lui montrer explicitement qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il est en train de faire, c'est aussi une manière de procéder. Donc voilà, aujourd'hui on a déjà vu la partie qui nous intéressait, et la semaine prochaine on va s'attaquer à la suite du processus. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la semaine prochaine.